Go, go, go! Vite, sa chambre de merde! Vite! La salle de bain! On ferme la salle de bain? Ah! Comment on sait qu'elle est remontée? On a un peu l'air con là, non? Si vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve du coup sur un petit jeu Friendzone Simulator. Vous avez été nombreux à me demander de le tester en vidéo. Du coup, ça a été fait par Nico. Alors apparemment, c'est un développeur, c'est un gars qui fait des jeux justement. Il a une chaîne YouTube. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description puisque bah voilà, c'est important aussi de mettre les personnes qui font ce type de jeu en avant. Vous avez été nombreux à me demander. Je ne sais pas sur quoi porte le jeu ou quoi que ce soit, mais du coup, on va lire les règles. Bon, je l'ai lancé. Alors règles, on va cliquer dessus. Bienvenue dans Friendzone Simulator. Dans ce jeu, vous incarnez un adolescent débordant d'amour pour une amie qu'il connaît depuis la primaire. Le problème, c'est qu'il n'a jamais osé lui avouer ses sentiments. Ce jeu se compose de 4 missions. Vous pouvez commencer par n'importe laquelle. Je vous conseille quand même dans l'ordre d'affichage. À chaque partie, vous devrez infiltrer la maison de votre ami sans vous faire repérer, afin d'accomplir une mission demandée. Vous pouvez attirer l'attention de votre ami ou de ses parents en utilisant tel ou tel élément de la maison. Une fois les habitants de la maison distraits, remplissez votre devoir au plus vite sans vous faire démasquer. Donc du coup, on va commencer avec le premier, le poème. On va commencer. Oh, j'aime bien la petite animation. Sophie adore les poèmes. Laissez-lui le vôtre dans sa chambre en toute discrétion. T'es pour lire le poème. Les roses. Oh putain. L'écriture de ouf. L'écriture de ouf. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Je n'ose pas te le dire en face. Oh putain. Oh, j'avais pas vu la page d'Idol. Putain, la page d'Idol, les souvenirs. Je me rappelle qu'à l'école, je détestais ce truc. Ma soeur adorait. Et je me rappelle qu'à l'école, les meufs s'échangeaient les pages d'Idol. Genre, elles avaient des bloc-notes, des cahiers, des stylos, des gommes. Elles disaient, vas-y, je te donne ma page bleue contre ta page violette. Ouais, non, ma page violette, elle est plus rare que ta bleue quand même. Donc, deux pages jaunes contre une... Putain, je me rappelle les souvenirs, quoi. Donc, les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Je n'ose pas te le dire en face, de peur d'avoir des bleus. J'arrachais mon dernier papier d'idole que j'ai acheté à Lidl pour te dire que tu es mon idole. PS, j'aime quand tu m'appelles mon petit canard, ça me donne des ailes. Oh là, c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà, sortez vite de la maison après la mission. Indice, elle adore aussi surfer sur internet. Ah, ok, ok, ok. Donc, ok. Elle adore surfer sur internet. Ouf. Okay, on peut pas interagir avec le garage. Ok. Elle adore surfer sur... Faut voir le bruit que ça fait aussi, hein. Tu peux jouer avec quoi on peut interagir un petit peu. Putain, le jeu est pas mal foutu quand même, sans déconner, le mec, GG, hein. Mais il y a quelqu'un là. Là, il y a un PC. Là, je peux pas accéder par là. Mais ils sont en train de regarder un Patrick Sébastien. Donc ça a l'air d'être vachement important. On va laisser la porte ouverte comme ça. On va regarder ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on pourrait pas activer la bagnole pour qu'elle fasse un bruit de ouf? Tu sais, jeter un truc. Attendez, je regarde un petit peu comment c'est foutu. Va falloir qu'on passe. Comment est-ce qu'on va pouvoir allumer la machine à laver? Putain, la machine à laver, c'est une machine à laver de Hobbit, quoi, les gars. Elle est toute petite. Il me permet, Michel, il n'y a pas 10 000 façons de passer. Quoique, attends. On peut peut-être passer par la fenêtre ou des conneries comme ça. Attendez, je regarde un petit peu comment est fait la bâtisse. Là. C'est là qu'il faudrait que je laisse la lettre. Mais comment... Ah, il y a une petite salle de sport. Attendez. Là, c'est la porte que moi, j'ai fermée, non? Ah. Avec une aération. Putain, mais c'est géant. C'est quoi, cette baraque? Wow, c'est joli, dis donc. Putain, c'est hyper bien modélisé et tout. Franchement, j'ai joué au mec, hein. Bonjour. Merde. Bah elle est là la meuf. Elle adore surfer sur internet. Ça doit être elle. Bah oui c'est elle. Comment tu veux que j'aille lui filer ça?
C'est moi ou alors? On dirait qu'elle a une image de Zac Efron, tu sais, limite sur l'ordi. Par contre, comment est-ce que je vais pouvoir lui filer sa merde? Sa lettre à la meuf, là. Va falloir trouver un petit truc. Attendez. J'aimerais bien accéder là-bas. Mais là, on va se faire gauler direct. Écoutez, on va essayer. Maintenant, on connaît les pièces. Ouais, on va se faire gauler direct, là. C'est obligé. Genre, on s'est pas fait gauler. Les parents qu'on n'ont rien à foutre, quoi. Enfin, j'ai l'impression que je peux aller devant eux et tout. Ils en ont rien à foutre. Il y avait une chambre avec un ordinateur. Là. Je peux pas interagir? Ouais. Là, il n'y a aucun moyen d'interaction possible. Je vois pas comment je vais faire pour ne pas me faire gauler par la meuf. Petite chambre pas dégueulasse. On peut pas se baisser ou quoi que ce soit, on est d'accord, ouais. Oh! Putain, je vais redémarrer la box. Attendez. Putain, ça y est, je me suis perdu. Votre ami vous a friendzone, recommencez. Ok. Putain. Ok, on y va. Go, go, go. Vite, sa chambre de merde. Vite, la salle de bain. On ferme la salle de bain. Ah. Comment on sait qu'elle est remontée? On a un peu l'air con là, non? Ah. Je crois que c'est bon. Partons, messire, partons. Les parents, ils s'en battent totalement les couilles. C'est bon. On l'a eu, bravo. Sophie a lu votre poème, vous avez vos chances avec elle. Yeah, c'est bon, on a réussi les copains, on a réussi. Ça va, c'était finalement, ça joue sur le temps en fait, mais faut dépêcher quand même. Menu principal. On va regarder, on va faire le chapitre 2 pour voir le bulletin. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qui va se passer avec ce petit bulletin? Alors, les parents de Sophie ont reçu son bulletin de notes. Ils n'ont pas encore eu le temps de le lire et il se trouve dans le bureau. À vous de le voler. Indice, son père adore sa voiture. Son père adore sa voiture. Je pense qu'ils ont bougé dans... Ah putain, merde. Donc le père est au garage, je pense. Il faut que j'aille voler le bulletin de notes. Bon bah, sans surprise, le... Attendez, on va aller voir si dans la... Faire sonner l'alarme. Ok, putain. Ok. Donc il va falloir faire sonner l'alarme et partir se barrer en ligne droite. Il va falloir faire le tour de la maison, quoi. C'est de la merde. On va voir. Putain, merde! Je me souvenais plus où était la... Ok. Attendez, on va faire style... on y va pour se souvenir quand même. C'est là en fait.
Quoi, vous n'avez pas rempli la mission? C'est bon, on va y arriver, on va y arriver. On va recommencer. Saloperie, ça joue sur le temps. Faut être vif quand même. Dans ce type de jeu, vous savez. Par contre, niveau time, ça va être hyper short. Voilà, on va faire sonner sa bagnole de merde. Vite. Oh putain. Ouh. Par contre, faut qu'on... J'espère que... On va l'entendre passer. Parce que là, on a vraiment l'air con. Faudrait qu'il est passé. Et c'est là où j'ouvre la porte au même... Ah. On entend plusieurs portes se fermer à plusieurs reprises quand même. Je pense que c'est bon. Il y a combien de portes chez lui? C'est un bruit automatique peut-être pour t'induire en erreur. On doute, on se barre. C'est bon. Ouh! On l'a fait les copains, c'est bon. Le bulletin a disparu, Sophie a la conscience tranquille. C'est bon, on est sauvés. C'est safe, c'est safe. Bon, écoutez, je pense qu'on peut s'en refaire encore un autre. Hein. Finalement, ça va. Menu principal, on peut même peut-être se faire les quatre finalement, j'ai envie de vous dire. Allez, les fleurs, c'est parti. Aborder une fille commence par bien s'entendre avec ses parents. Posez les roses que vous avez sur la table du salon sans vous faire repérer. Indice, le chien se calme quand on lui apporte un os. Putain, merde, il y a le clébard qui est là. L'os. Ok. Ah oui. C'est bon, j'ai donné. Et j'aurais peut-être dû faire en sorte qu'il gueule en fait. Ah non, attendez. Ouais, mais ça va être tendu de ouf. Parce qu'en gros, il faut que je fasse en sorte. Comment je vais faire? Parce que même si je passe par là, en gros, il faudrait que je sonne. En sonnant, je contourne. Je rentre par là. De toute façon, j'ai qu'une porte. Comment tu veux que je fasse? Je réfléchis un petit peu, les amis. Je réfléchis. Parce que là, même... Ah, bah alors, attendez. Je vais tester. Ah. J'appelle la police tout de suite. Non, mais oh. En fait, elle passe sur cette porte-là. Bon, on essaye. On va voir. Et pour moi, ça me paraît beaucoup trop short. Regardez. Le temps. Regardez. Le temps d'aller là-bas. L'autre, elle est déjà repartie, là. On se casse. Non, bah apparemment. Passer le buisson. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, les parents ont retrouvé le bouquet de fleurs, ils sont contents de vous. C'est bon, c'était propre, c'était clean. Écoutez, bon, ça va. On va faire le dernier, puis on va s'arrêter là, du coup, les copains, puisqu'il y a 4 niveaux, mais... Alors, voler les fleurs. Ah bah super, on emmène des fleurs pour les voler après. Super le concept. J'apprécie le concept. Je dis ça, je dis rien. Donc du coup, Sophie est dans sa chambre des fleurs qui lui ont été offertes par son ex. Elle pleure en repensant à lui, voler lui ses fleurs. Indice, elle déteste Patrick Sébastien, mais adore les films d'action. Elle déteste Patrick Sébastien, mais adore les films d'action. Donc là, il y a l'air d'avoir un film. Elle déteste Patrick Sébastien, mais adore les films d'action. Donc je pense qu'il faut... Merde! Son os, à lui, j'avais oublié. Merde, merde, merde. Ok, ok, on va recommencer. J'avais oublié, merde, le coup du chien. Bon, on va contourner, c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait même... Peut-être on pourrait même contourner par là. Attends, on va regarder. J'avais oublié le clébard, merde. Alors du coup, il n'y a personne ici. Il y a une échelle. Alors attendez, ça c'est pas pour rien ça. Quand on me file une échelle, moi... Il y a quelque chose les copains, je vous le dis.
Ça va être pile là où il y a le clébar, je suis sûre. Donc va quand même falloir que j'aille chercher l'os. Attendez, on va sauter par-dessus. S'il te plaît, tu m'as laissé tout à l'heure le droit. C'est la mort. Ah putain, l'échelle. Ok, cool. Bah alors, la question. Ok. Donc moi, il faudra que je repasse par là. Descendre, ok. Donc là, tout mon plan est en place. Il me reste plus qu'à, je pense, aller foutre du... Putain, mais ils sont partout! Comment tu passes? Comment tu passes, Michel? Il n'y a pas de Michel, comment tu vas? Merde. Elle déteste, mais elle adore les films d'action. Mais ouais, mais moi, c'est pas tant ça qui... C'est pas tant le fait qu'elle aime, qu'elle déteste Patrick Sébastien. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ses parents commencent à me gonfler. Et ça, par contre, sur une échelle de 1 à 10, ça devient chiant. Alors, attends, est-ce qu'on peut se tailler, aller chercher? Non! Alors, attends. Pas grave, on va se débrouiller. Mais le père, il était là. Comment tu veux que j'y accède? Ah, mais je suis bête. Attendez, mais je suis con. De toute façon, j'avais mis l'échelle. Donc au pire, j'ai qu'à descendre. On va regarder. Ok. Putain! Bah oui, bah forcément, cette porte de merde. Quelle idée de foutre une porte de merde. Mettez une porte coulissante. On gagne du temps. Quand même, merde. Oh non, putain. Ok, bon, c'est bon, c'est bon. Je vois comment faire, en fait. C'est hyper rapide. Ok, normalement, ça passe. Ça passe assez bien. Les films avec Bruce Willis, elle a l'air d'apprécier. Donc, techniquement, ça passe. Sinon, je me fous là. Merde! Il y avait la mer. Oh, il est chiant ce jeu, il les a placés à des points hyper stratégiques. Du coup, quand tu veux te cacher à un endroit, t'as pas 10 000 solutions, quoi. Putain. Bien fait, j'avoue. Un truc qui te fait pas trop rager, quoi. Apparemment, le gars a fait d'autres jeux. Le gars Nico a fait d'autres jeux. Et du coup, il faudra que je regarde un petit peu parce que ces jeux sont cool, franchement. Et je trouve ça bien de mettre en avant les gens comme ça qui développent des jeux. Franchement, c'est hyper sympa. Et là, ce jeu est vachement cool. J'espère qu'il fera d'autres niveaux. Ça pourrait être bien. Après, franchement, je sais pas s'il va en développer d'autres. Quoique, je me cache comme ça. Ouais, ouais, c'est bon, ça passe. J'ai l'idée, les copains. Regardez-moi ça. Comme ça. Là, tu fermes ça. T'attends là. Normalement, ça devrait passer. Pourquoi j'ai fait un petit saut de cabri, là? Ça sert à rien du tout. On fait ça. Elle est où ces fleurs à la con là? Ouh. Et là, on descend sans se faire gauler par le chien qui est je sais plus où. Je sais plus où il est le chien. Non, non, je crois que moi... Non, pas par là. C'était de l'autre côté si je dis pas de conneries. Si je peux... Est-ce que je peux sauter? J'ai pris ces fleurs de merde là, c'est bon. C'est bon, je suis pas facteur moi. Non, c'est à la fin. Si je venais de par là. À moins que je saute carrément. Et là, le chien se met à gueuler. Et c'est bon, l'a passé. Sophie ne retrouve plus les fleurs de son ex. Elle pense maintenant à vous. Est-ce que c'est pas beau, menu principal? Est-ce que c'est pas beau les copains? Et voilà, la fin de Friendzone Simulator du coup. Franchement, le jeu était cool. Je vais vous donner mon avis vite fait. Le jeu était hyper cool. Les mini-jeux comme ça, c'est sympa à faire. C'est pas extrêmement compliqué. Mais franchement, c'est cool les mini-missions que t'as à faire comme ça avec le coup du poème, le bulletin, les fleurs ou quand même
déposer des fleurs à ta famille et après aller chourave les fleurs. Et puis il a posé en fait les personnages à des points stratégiques qui font que tu peux pas trop te cacher. Mais bon, ça reste quand même assez simple. Le jeu est vraiment cool. Dites-moi dans les commentaires justement si vous connaissez cette personne et si vous voulez d'autres vidéos sur ces jeux, parce que je sais qu'il en a fait plusieurs. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description ainsi que le jeu dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aux réseaux sociaux comme d'habitude, Twitter, Facebook, Snapchat, de toute façon tout est listé dans la barre d'infos. N'oubliez pas le petit concours à House Party, de toute façon je vous le laisserai aussi en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain du coup pour un nouveau live sur la chaîne Twitch Killera TV. Il y aura une petite annonce, normalement je pense qu'on va finir The Forest, on fera peut-être du Ark avec la Reaper Queen, je sais pas encore. Et du coup je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo, ciao.